Alors, je commence en vous remerciant chaleureusement pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Surtout, je salue Muriel Bourdon, avec qui on a échangé beaucoup parce qu'on faisait des thèses un peu au moins dans la même décennie et on avait des intérêts en commun. Et je salue Howard Jones, que j'ai connu beaucoup plus longtemps que Muriel Bourdon. Ce que je voulais souligner sur son discours, je pense que c'est d'une très grande valeur d'avoir the record des grands acteurs. Et là, avec Howell, et j'espère que ce sera imprimé après, vous avez des éléments très importants du point de vue de, comme je dis, un grand acteur. Madame Fiorazzo a mené cette action pour le bilinguisme et interprété comme l'anglais. Madame Bourdon a insisté que je vous parle en français. Donc, je vais vous demander de m'excuser mes fautes de grammaire, d'orthographe, etc. Alors, continuer, pas, je pense, pour répéter ce que Howell Jones a déjà dit, mais de vous présenter une façon d'analyser ce que s'est passé pendant ces derniers 25 ans. Et surtout, ce que je vois comme puzzle dans cette question l'enseignement supérieur et la mobilité. Et surtout, ces deux questions que vous voyez là. Comment la mobilité est devenue l'idée phare des programmes européens et a resté comme idée phare. Et la question que Howell a évoquée, mais quand même peut-être je vais voir d'une façon un peu différente, c'est une autre façon de voir, comment l'éducation, l'enseignement supérieur a assumé une telle importance politique au sein de l'Union européenne. Alors pour moi, je suis journaliste de métier, mais je me suis convertie à lifelong learning thing en politologue. Et moi, je vais vous présenter donc une lecture de politologue à travers ce modèle, le modèle du processus politique. Je vais ensuite, vous voyez le plan, faire les contrastes et comparaisons entre les deux programmes pour montrer un peu la route déjà faite. Et ensuite, comme tous universitaires, je vais vous donner des explications. C'est simplement la référence aux deux décisions, mais vous l'aurez après. Voilà, j'arrive à trois diapos que j'explique et que j'espère sont une bonne explication de ma conceptualisation. Et ce qu'on ne sait pas, on a les références que je vous ai données, donc on voit les actes juridiques, législatifs. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, et on dépend beaucoup sur les médias pour comprendre, ce que se passe entre le moment qu'un problème devient une question devient un problème pour les politiques, ou pour les policy makers, et l'acte législatif que vous voyez à la fin. Dans le passé, on appelait ça le black box, la boîte noire, mais maintenant, on a tendance de voir, et c'est, je pense, un domaine intéressant de la recherche, comme un espace de transformation. Et c'est donc il s'agit des moments où on a des questions sur l'ordre du jour
des policy makers, comment on arrive à distinguer ce qui est une voie politique fiable et le choix. Et je vais aussi mettre l'évidence sur les entrepreneurs politiques dont Howell Jones est un grand exemple, Blair, pour vous montrer pourquoi c'est important d'avoir ces gens dans le processus. Alors, ce modèle que je vais vous présenter s'appelle Multiple Streams en anglais, mais il y a peut-être quelqu'un qui va me donner la traduction française, ou simplement vous allez dire que c'était inventé par un Américain et donc ça reste en anglais. Mais l'essentiel, que ça postule l'idée qu'il y a des dynamiques différentes dans les problèmes à résoudre, la définition de la solution politique, mais j'insiste, c'est policy, les policy solutions, et les préférences politiques qui s'évoluent, et les trois s'évoluent au rythme indépendant jusqu'au moment que le personnage policy entrepreneur est autour de lui. Réussit à dire que voilà, j'ai la solution au problème, ou il y a des hommes politiques, on a parlé de Delors, qui aussi créent la dynamique qui permet le processus de s'avancer. Alors donc ça c'est peut-être un diapo à améliorer, mais vous voyez là, c'est l'idée que l'action commence et naît avec l'action des policy makers comme Jones qui prennent un problème et qui sera éventuellement résolu par le processus politique. Et là, mais on a aussi des initiatives qui commencent avec une volonté politique. Le marché unique était un exemple, mais l'essentiel, c'est quand même devrait avoir les trois éléments réunis. Alors, je vais passer assez rapidement sur les contrastes et comparaisons entre Erasmus 1887 et Erasmus pour tous. Et les plus gros changements sont sur les bases juridiques, les enveloppes financières et la gouvernance. Et les continuités, on peut voir ou une continuité dans le changement, dans les actions et objectifs. Et surtout, peut-être ça semble technique, mais derrière la technique, il y a toujours des choix. Et ce qui est intéressant, c'est que Erasmus pour tous utilise une régulation. Ça veut dire c'est l'instrument juridique le plus puissant entre les mains des institutions de l'Union européenne. Et c'est un énorme contraste avec le programme Erasmus qui a eu le plus grand mal d'avoir accès aux instruments juridiques de l'Union européenne, c'était le CEE. Et là, c'était une décision. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cette force législative maintenant, mais ça fonctionne quand même surtout sur le mode de la coopération. Tandis que Erasmus avait des ambitions
d'avoir une politique commune de formation professionnelle, ce qui, peut-être Howard Jones aurait quelque chose à dire là-dessus, mais qui donne peut-être, qui cache peut-être un peu l'élément universitaire qui est fort dans Erasmus. Et je pense que les modalités d'intégration qu'on voit avec Erasmus pour tous, et pour moi c'est très impressionnant que maintenant on englobe tous les programmes comme Leonardo, Erasmus Mundus, Comenius dedans. Mais ça, c'est quelque chose qui s'évoluait doucement depuis le traité de Maastricht. Le contraste financier est énorme, peut-être on laisse ça pour les questions, mais ce qui est important, je pense, c'est que l'objectif premier est inchangé. Comme dans les programmes précédents, le nouveau programme vise à améliorer les aptitudes professionnelles des personnes. En fin de compte, l'employabilité et à soutenir la modernisation des systèmes d'enseignement et de formation, mais quand même axé sur la réaction, les possibilités ouvertes aux individus. Donc, ça c'est rapide, mais vous aurez d'autres interventions sur le détail. Je passe donc aux explications et je pense que pour moi, et là je dis en tant que chercheur, je vais contredire doucement Howard Jones, parce que pour moi, l'idée de la mobilité est présente en Europe depuis les années 60. Il avait un rapport important dans les archives d'une ambition énorme qui date de 1960. Et là, on avait déjà l'idée des échanges, de la reconnaissance de travail fait et la coopération entre universités. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est qu'en la période que Howard Jones a évoquée qu'on avait à la fois cette idée d'une politique, mais aussi la dynamique politique pour faire de cela une réalité. Et donc, la date 1976 reste très importante dans l'histoire d'Erasmus, avec les premiers échanges entre les universités. Mais comme toujours, et dans mon explication de ces multiple streams, il y a des phases, des windows of opportunity. Ça aussi, je pense, ce n'est pas un mot spécifiquement anglais, mais compris partout, qui explique l'idée de l'évolution de l'idée et sa transformation. Et par exemple, les moments des élargissements, c'était des windows of opportunity pour présenter un nouveau schéma. Et en fait, quand on a des programmes avec des dates spécifiques, ça aussi, ça donne une dynamique pour repenser un programme ou une activité politique. Et c'est ça qu'on a vu avec Erasmus pour tous. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Erasmus, comme disait Howard Jones, c'était une période assez longue entre l'idée des premiers pilotes en 76 et après, et la décision Erasmus en 87. Et ce n'était pas un manque d'effort de la part des gens qui travaillaient sur la coopération à la fois universitaire et à la commission, mais c'est simplement on n'avait pas cette dynamique politique. Et on a déjà évoqué Madame Thatcher. Alors elle, parmi ses responsabilités historiques aussi, c'est le fait qu'elle aurait pu avancer Erasmus
plutôt le début des années 80, on avait l'idée de People's Europe, vraiment cet axe sur la citoyenneté et approcher l'Europe aux individus. Et, c'est Madame Thatcher qui a dit « Ah, c'est de la poésie européenne ». Et c'était la fin des discussions à cette époque. Et ensuite, c'est passé comme Howard Jones a déjà expliqué. Alors, je passe assez rapidement là-dessus. Mais ce que je voulais dire... Et je suis convaincue, en tant que journaliste, j'avais une approche aux actualités et souvent on cherchait des explications dans l'actualité, dans des nouveautés. Avec la sagesse et une formation universitaire plus poussée, évidemment, il y a du plaisir, de l'intérêt et je pense de l'importance dans une vision plus analytique. Et j'avoue que, évidemment, je reconnais que la vie réelle est beaucoup plus compliquée que le modèle que je vous ai proposé, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important d'essayer de séparer l'idée qui fait avancer des choses et qui a systématiquement fait avancer l'idée de la mobilité, de la coopération entre universitaires et maintenant les établissements scolaires et techniques. Et cette idée, c'est important de le séparer de les événements politiques qui avancent ou retardent la réalisation. Et ce que je pense être important aussi, c'est que souvent, on a les mêmes idées, la mobilité, qu'on utilise pour justifier des politiques assez différentes. Et donc, on avait des moments où l'axe, c'était sur les possibilités pour les étudiants, pour l'élargissement des horizons intellectuels et culturels. Et d'autres moments, c'était beaucoup plus axé sur le manpower, sur ressources humaines. Et on peut dire que quand c'était axé sur les ressources humaines, c'était une façon de faire passer l'idée dans un climat politique. Mais je pense qu'aussi, il faut toujours mettre en valeur ce qui est au fond du programme et qui donne de la nostalgie aux certains. Mais je voulais terminer en disant que on n'a pas de politique sans acteurs. Et donc, je reviens à mon intérêt pour la question analytique des policy entrepreneurs. Parce que c'est les gens, ils sont toujours à l'intérieur d'une des institutions qui jouent sur cette action particulière, parce qu'ils devraient avoir des connaissances, des expertises. Je pense aussi qu'ils devraient avoir la confiance des équipes, des interlocuteurs autour d'eux. Dans le passé, on avait des personnes, et ça, en fait, petite pub pour ma thèse, ce qui était très intéressant, j'avais connu Howard Jones dans les milieux de l'éducation en Angleterre depuis les années 70, mais en faisant la thèse et en demandant qui a joué un rôle dans comment les décisions ont été prises dans le passé avant les années 70, on a trouvé à chaque reprise dans là où il y avait des décisions en quelque sorte, il y avait toujours quelqu'un agissant.
On a parlé de Altiero Spinelli, c'est le cas. On a parlé ensuite de Sutherland. Mais il avait toute une suite de gens. Et je pense là, on a un intérêt de les traquer. Et comme ça, je pense qu'on a une idée de comment faire avancer la politique pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Thank you.